Bien, bonsoir à vous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de cliquer sur la cloche des notifications et abonnez-vous massivement à notre chaîne pour bénéficier bien entendu des pronostics quotidiens. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons fait des heureux gagnants aux différentes courses que nous avons proposées. Et vous pouvez donc le constater sur les vidéos précédentes. Et les vidéos du lundi en témoignent. Et donc, pour la course de demain mardi, nous vous proposons déjà pour demain mardi deux courses, deux pronostics sur deux courses. La première, c'est bien entendu la course R1 et C1. Et donc, c'est la course de Vincennes. Et donc, le prix Limousin. Voilà, et donc nous allons tout à l'heure avoir les détails sur cette course. C'est la course du mardi 7 janvier 2020. Et donc nous avons ici la course du prix Limousin. C'est une course attelée de 2850 mètres avec 16 partants. C'est une course très très intéressante parce que là, nous aurons en compétition des grands drivers. Nous avons donc ici des favoris logiques. Nous avons également des surprises pour cette course. Et donc, soyez bien attentifs à ce que nous allons vous proposer. Parce que contrairement aux courses précédentes, la course de demain sera plus intéressante en termes de gains et en termes de surprises. Et donc, pour les pronostics que nous vous proposons, soyez très attentifs. Nous allons vous faire une sélection des 6 chevaux, parmi lesquels vous pourriez faire toutes les combinaisons probables. Et donc, sur 16 partants, nous avons sélectionné les meilleurs et nous vous proposons 6 chevaux avec différentes formules que nous allons vous proposer d'ici la fin de cette vidéo. Voilà, et donc en simple placé, parce qu'il y a plusieurs types de parieurs, il y a les moins nantis en mise qui optent pour des simples placés, il y a aussi des plus nantis en mise qui font des combinaisons avec beaucoup plus de mise. Et donc nos pronostics prennent bien en compte tous les types de parieurs. Alors pour les parieurs dont la bourse permet de jouer des simples placés, et là vous avez le 1. Le 1 comme coup sûr pour la course de demain. Et donc vous avez ici également le 2. Nous rappelons que le cheval Dorus Well est l'un des chevaux les plus vus, les plus surprenants pour cette course. Et surtout l'une des difficultés de la course au PMU, ce sont les cotes qui souvent de fois nous désorientent sur le choix de nos numéros. Et donc vous voyez ici que le numéro 1 a une cote 38.9. Il ne faut pas que cela constitue donc un souci de choix. Et donc le cheval numéro 1 se présente comme un cheval en pleine forme avec un driver qui a fait ses preuves sur plusieurs courses. Il s'agit de Lekanou. Et donc, après juste, nous avons l'un des drivers les plus expérimentés, Abriva. Il est sur la course Duc de Cristal, le 2. Et puis, nous avons également le 3, qui est un favori logique, avec un driver Raffin, assis sur le cheval Dorado Bello. Puis, naturellement, Bazir Jean-Michel. Jean-Michel Bazir, le 3, le 4, pardon. Et ouais, nous avons donc avancé avec, vous serez surpris de constater que les numéros se suivent. Oui, c'est aussi l'une des difficultés des courses souvent qui déroutent des parieurs. Et donc, nous allons avancer avec le 11. Le 11, Abriva, assis sur le Défi Pierre, le 11. Et donc, après le 11, nous aurons Nivard. Franck Nivard, c'est un très bon cheval, mais je suis un peu sceptique sur sa performance par rapport à la course de demain. Et donc, je vous propose en lieu place de Franck Nivard, je vous propose le 14.
le 14 qui est beaucoup plus probable avec sa cote et son driver Motier sur Delfino. Et donc nous avons là une sélection de 6 chevaux. 6 chevaux, et donc nous cliquons sur valider. Et là nous aurons le 1, le 2, le 3, le 4 et le 11. Vous pourriez donc faire toutes les combinaisons probables avec, soit vous les jouez en couplet, vous les jouez soit en quarté, en tiercé. Et bien, je vous souhaite donc une bonne chance et vous validez. Bonne chance et à demain pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification. Merci.